C'est avec une émotion toute contenue que Brigitte, 66 ans, reçoit Ariane aujourd'hui. Car après avoir lutté contre la maladie pendant plus de 5 ans, la soixantenaire est la 12e Polynésienne à bénéficier de la dialyse à domicile. Pour cela, elle a passé une formation de 6 mois avant de revenir sur Huahine. Voilà, donc tu écris 05 ici. 05 et 225. Étant spécialisée en hémodialyse à domicile, Ariane est présente pour l'installation de Brigitte. Elle prend cet événement comme une victoire personnelle. C'est une satisfaction personnelle, ça c'est sûr, de voir Brigitte, son sourire quand elle peut rentrer chez elle et qu'elle prend en charge beaucoup plus sa maladie aussi. Parce qu'il y a le montage, il y a la piqûre, il y a les alarmes. Il y a les alarmes des fois et alarmes. Alors des fois, tout au début, j'étais un peu paniquée. Hein. Aussi discrète que Brigitte, sa fille est heureuse de voir sa mère après 4 ans. Ça fait carrément du bien de la revoir. Et ça se voit aussi qu'elle est heureuse aussi de revenir chez elle. Hein. Après tous ces mois à Tahiti. Sur les 544 patients devant être dialysés, 62 sont dialysés à domicile. Pour 50, c'est une dialyse péritonéale et 12 donc une hémodialyse.